Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, Fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, j'ai réussi à lui damer le pion, je suis très heureux. J'ai laissé le pion. t'étais un peu sur prêt à cliquer. Je t'ai mis des petites feintes quand même. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais. Du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de ce draft traditionnel, la nouvelle Capena. On a drafté un joli deck white avec un petit splash noir. Vous pouvez regarder du coup la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. PL vous fait un petit peu une espèce de débrief de l'entièreté du format. Quelles sont les bonnes couleurs à piquer? Quelle est la synergie, les archétypes à privilégier? Et un petit peu la texture, la dynamique des games, ça peut être intéressant. Ensuite, on a fait les picks, ensuite on a monté le deck, ensuite on a joué une game. Je ne vous en donne pas le résultat, même si vous allez le voir bien si évidemment. Vous l'avez vu sur la page précédente. On va jouer du coup les deux dernières games qui nous restent à jouer dans cette vidéo. Mais avant toute chose, on va vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu pour anticiper la confiance, nourrir l'algorithme YouTube qui est évidemment très gourmand. Et puis voilà, partagez dans les commentaires et déroulez la description. Il y a toujours plein de trucs dans la description, des liens, des trucs sympas. Mmh. Donc déroulez là, c'est cool. Savoir qu'on met une vanne dans chaque description. C'est vrai, mais il faut la retrouver. Et il faut la retrouver, chercher bien. Voilà. Des fois, c'est juste laisser un pouce bleu, voilà, c'était la vanne. Ça fait rire peu de gens, mais nous, ça nous fait rire. Des fois, c'est juste un lien vers une chaîne Twitch, par exemple, Valpé Magic Arena FR, que vous pouvez rejoindre gratuitement. Une vanne, c'est un lien vers de la vanne. C'est un lien de vanne. Pas mal. Et sinon, ce qu'il y a, c'est aussi les sponsors, Playing by Magic Bazaar. Merci beaucoup à eux. Code VLPL 2022 sur la boutique, ça vous donne 50% de profitabilité supplémentaire. Et ça nous soutient quand vous utilisez. Donc merci à tous et merci Instant Gaming, lien d'affilié dans la description. Jeu pas cher, soutien, plaisir, bonheur, partage. Et qu'est-ce qui se passe également au niveau des sponsors, finalement, plus ou moins jeudi. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir une nouvelle opportunité, un nouveau partenariat avec une entreprise que vous avez bien appréciée lorsqu'on l'avait déjà fait. C'est de pouvoir renouveler l'expérience d'un live sur Beats. Beats, qui est cette espèce de plateforme d'achat en live, en direct. Imaginez Twitch et eBay qui fusionnent. Ça vous permet de vendre des cartes en direct ou alors d'en acheter en direct sur tout type de TCG, que ce soit du Pokémon, du Magic, du Flesh and Blood, du Yu-Gi-Oh. C'est vraiment très très sympa. Vous aviez adoré le box break qu'on avait fait. On avait ouvert une boîte pour vous vendre du coup des boosters qu'on ouvrait en live au préalable et on vous envoyait le contenu. Ça avait été très sympa. On avait décidé de bloquer les prix pour pas qu'il y ait d'enflammade. L'application ne permettant pas de bloquer les prix, ça devait être forcément un blocage de prix oral et une espèce d'accord tacite entre vous et nous. Là, on va sortir de ce spot-là. Les prix seront pas bloqués pour la prochaine opération. On fera encore un box break d'une boîte collector New Capena. Les prix seront pas bloqués, vous pourrez mettre la somme que vous voulez et vous battre sur les boosters, il n'y aura aucun problème parce que tous les bénéfices de cette vente iront à une association, la Croix-Rouge, et donc voilà, ça n'ira pas dans notre poche. Donc voilà, si jamais vous voulez faire un geste sympathique, aider pour une association humanitaire évidemment. Mais vous faites un don, vous récupérez un booster collector, un voilà. Galop quand même. Et donc en fait, voilà, vous vous battez entre guillemets pour ce booster-là. Nous, après, on l'ouvre, on vous signe des cartes si vous le voulez ou pas, et on vous envoie le contenu chez vous. Ça sera jeudi soir à partir de 19h. On va animer ça comme un live Twitch, donc passez un bon moment, ça sera vraiment de la belle magie. Et c'est sur l'application, mais vous pouvez y accéder depuis votre PC aussi, pour l'application. Alors je crois que vous ne pouvez pas participer aux enchères, mais si vous voulez venir voir, c'est toujours un bon moment. En tout cas, la dernière fois, on s'est régalé. C'était vraiment très cool et les gens ont adoré. Ouais, ça devait durer un peu moins d'une heure et finalement, on était tellement contents, ça a duré quasiment 2 heures. C'est ça. À échanger avec les gens, ouvrir les boosters, c'était vraiment... trop trop cool comme expérience, nous de notre côté à faire et aux spectateurs aussi pour voir. Il y avait des gens qui ne nous connaissaient pas qui ont débarqué aussi parce qu'on peut échanger évidemment avec comme il y a un chat, donc c'est très sympa. Merci beaucoup à Beats de nous proposer ça. On espère que ça s'inscrira dans la durée. Ça a l'air d'être parti pour. On en ferait du coup régulièrement avec à chaque fois le même principe du coup d'ouvrir des items. Ce sera pas toujours le même produit, mais ce sera toujours le même principe. Ça sera toujours le but d'ouvrir des boîtes un petit peu cool, un peu collector. Donc que ça soit, je sais pas, moi ça pourra être du Double Master plus tard, ça pourra de la boîte collector. Commander Legend qui sort après notre live évidemment. Là on fait du collector New Capena et le but voilà ça sera toujours de mettre le booster aux enchères, l'ouvrir et vous l'envoyer, et de reverser tous les bénéfices à une association caritative, ce qui fait que du coup voilà ça va pas dans notre poche et donc du coup nous on vous vend pas un objet plus cher que ce que vous pourrez le trouver dans le commerce. Il y a vraiment ce côté vous faites une bonne action et vous avez un petit cadeau en bonus qui peut être d'ailleurs un gros cadeau selon les boosters qui sont ouverts en plus. Écoute, est-ce qu'on partirait pas pour les deux games suivantes? Mais on est juste petit part. Voilà, je suis vraiment content qu'on puisse retravailler avec Beats parce que c'est une start-up française, ça marche vachement bien en ce moment. Ils ont de plus en plus de vendeurs. Même moi, je consomme l'application en tant qu'acheteur et voilà, je suis très content de pouvoir renouveler cette expérience et en plus en profiter pour faire de l'associatif, c'est cool. De ouf. Du caritatif via une association. Et puisque on ne possède pas la Croix-Rouge. Non. Eh non. On rachète la Croix-Rouge. Le buzz. Oh, Dame! Et ça sert à quoi? Ah ouais, c'est vrai.
Bah pas grand chose parce que normalement t'es pas censé gagner de l'argent. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, on peut pas racheter une asso. Je crois pas. La Croix-Rouge, ça reverse 93% des dons qu'ils. Pas mal, On hein? s'est un peu renseigné. Des dons qu'ils Ouais. reçoivent, ils ont 5% de frais de fonctionnement qui est utilisé bah, du coup pour faire fonctionner tous les bénévoles et compagnie, pour la formation aussi et pour toutes les œuvres qu'ils mettent en place. Et ils ont 2% de frais de dossier lors du don. Lors des dons, j'imagine une espèce de. Pour payer le centre de financement, Ouais. j'imagine. Donc voilà, c'est quand même assez solide. Je crois que c'est keep parce que t'es adepte. Ou tu trouves ça vraiment moyen, quoi? C'est mou, il faut du blanc absolument. Je pense que je mulligane, surtout qu'on commence pas. Ok. Ah, c'est mieux ça. Ouais, ça a l'air mieux. C'est mieux et on va enlever la faveur de sûreté. Qui servirait peu. Rifter. Alors ça, c'est ce genre de land n'indique pas du tout les couleurs que joue notre adversaire. Ça t'indique au moins. Enfin, Tu sais une. qu'il va jouer Golgari ou Rakdos, quoi. Et du coup, Ouais, il est censé, ouais. tu peux supputer qu'il jouera Rakdos parce que c'est les couleurs qui sont mises en avant dans le set. Normalement, oui. On joue contre Bim! Strange Venom. Du bleu. Ouais, donc du coup, pas du tout. Crier céleste, on a Pas du trouvé tout une ce à nuisance quoi je sur le m'attendais. toit, on a un drop 3. Ok. Ça m'étonnerait qu'il contre ça. Il doit avoir le spell qui fait piocher. Ok, il a contré Crier céleste. Après, en vrai, s'il a le spot, vu que c'est une carte qui contre mal en late game, c'est plutôt legit de contrer ça. Surtout s'il a un tour 3 à développer. C'est le Small de cas. 2. Il a déjà 3 types. Ok. Ouais, mais toi, t'as un bon rançonnement. J'ai un bon renseignement. Après ça, Tu, devient quand tu juste une dis type, 3-3 tu parles Lexumif. de CCM. Oui, pardon, ouais. Il a C'est l'habitude du 3 Delirium, mais CCM. Ouais. c'est des CCM, évidemment. Il a un land ou pas? Ouais, il a land, drop 1, drop On dit d'ailleurs plus 2, drop 1. CCM, on dit mana value. Ça Et oui. me trigger toujours. Ah, ça demande un petit peu de temps pour s'habituer, quoi. Ça serait bien de piocher les land blancs. Mais est-ce qu'on s'habituera? Il va passer à 4, certainement. À moins qu'il y ait beaucoup de land en main. Il a défaussé un land. Oh! Ok, si jamais tu le fais et que t'attaques, il passe 3-3 ton bousin? Il va passer 3-3 après, ouais. Mais de toute façon, il Ah! sera imbloquable. Bah vas-y, fais-le et comme ça tu développes juste Crieur Céleste à côté ou Rançonnement. Bah tu regardes d'abord ce que tu pioches, mais. Ouais, bah je peux aussi donner lifelink. Bon, je préfère quand Pour même 2, mais développer je crois qu'une du bête, c'est board, mieux, ouais. quitte à donner lifelink quand il sera 3-3. Oh, le bruit, l'impact. Zampacto! Qu'est-ce que tu vas jouer là, crieur ou rançonnement? Comme ça, tu défausses l'un ou l'autre. Je vais plutôt jouer rançonnement, je Alors, pense. enlève crieur, je pense. Comme ça, je rançonne sa bête. On est un peu sensible à l'interaction, cela dit, hein, mais. Ça, c'est peut-être plus chiant que ça. Ouais, mais ça l'est pas pour l'instant. En vrai, je peux juste passer, hein. Ah, mais dans ce cas-là, fallait pas enlever crieur, fallait enlever le land. Tu te vois pas faire une course là? Si, je peux. Genre, est-ce que notre main elle fait autre chose que la En fait, course? ça va être chiant sur toutes nos autres Betfly. Bah ouais. Alors que ça, c'est au sol. Parce que si notre main elle fait pas la course, faut pas tenter, mais là j'ai l'impression qu'elle fait pas autre chose surtout. Ouais. Bah en fait, vu qu'on peut. S'il nous gère pas ça, on peut avoir un Bet Life Link. Ça marche bien, quoi. On enlève le Crieur. Crieur qui est bien aussi contre les decks, justement, Grixis. Ou Dimir, en tout cas, qui se meule. Puisque du coup, c'est vraiment une condition de victoire contre la meule. Ils peuvent vraiment Ok. tomber très bas, très vite. Ça dépend comment ils jouent. Ouais. Mais avec les connus, les cartes comme Après, cela ça. dit, tu vas l'accélérer que d'une carte, quoi. Enfin, genre, tu vas pas lui faire piocher plus de. Non, non, mais vu qu'en plus en fin de game tu peux savoir à peu près ce qui lui reste, si c'est des cartes actives ou des lands, le faire piocher c'est moins impactant et tu pioches aussi. Donc si tu le fais piocher à la fin de son tour, Ouais. tu lui J'ai donnes une l'impression carte pour que. plus tard, alors que toi tu récupères une carte pour maintenant. Ah, ça va être chiant. Pas de suite, mais. Ouais, pour l'instant, ça l'est pas, mais. Peut-être tantôt. Après, t'as nuisance sur les toits, de toute façon, Ouais. pour gagner du temps. Et tu continues à mettre des patates. Je mets des pions. Sachant que tu payes que 2 là pour avoir le lifelink. Ouais. Bah, ça va, tu gagnes la course, tranquille. C'est-à-dire Très que bien. là, tu vas mettre 3, puis le tour d'après, tu vas mettre 4. Oh. Et tout ça supporté par nuisance. Je vais donner lifelink. T'es obligé de le faire en rituel? Non.
Mais bon, Oh, il peut pas bloquer, donc faut que je le fasse maintenant. ouais. Oh, ça dégage. Ouais, c'est raf, c'est un peu loin là. Tu gardes pas nuisance du coup? Non, tu Ah, c'est un penses que... rituel. Ah, d'accord, ok. C'est un rituel, mais vu que ça empêche de se dégager. Ouais, ça revient un peu même. Intéressant. Giada, alors Giada avec Séraphine, ça marchait bien, ça faisait un marqueur sur Séraphine, mais bon. Il a 4 CCM différents là pour l'instant. Ouais. Ce qui est pas forcément évident d'avoir 5, hein, franchement. Non, mais quand il l'aura, on aura Bon, après, nuisance. il a déjà un CCM à 6, donc. Ah bah voilà. Et là, il a Là, il CCM l'a, à il 5. tue notre bête. Ah, c'est super chiant. D'avoir une carte qui fait Ouais, c'est l'espèce ouf de que ça 2 pour 1. soit parfait comme ça, quoi. Ouais. C'est son anti-bête qui est le CCM5 qui est le dernier. Et ça connive, ouais. Bon, là, on est vraiment pas bien. Mais bon, vu qu'on a eu pas mal de drop 2, on devrait trouver autre chose maintenant. Ouais, Bon, genre des landes. du coup, on va nuisance sur les toits, j'imagine. Ouais, pour avancer, on va cibler ça. Je sais Uniquement. pas s'il fallait piocher deux cartes en sacrifiant Gada. Non. Voilà. Franchement, t'as plus de bêtes, c'est fini. Ouais. Surtout que Gadal marche très bien avec les anges de la métropole. On en a deux. Ça fait On arriver a ange de la deux métropole anges? Non, 4-2. on en a qu'un seul. Non, on a deux. D'anges de la métropole? Ouais. C'est le 3-1 Azorius. Ah oui, d'accord. Putain, je croyais que tu parlais du. Non, pas l'artefact. Du parangon. Parangon. Ouais. Arche de métropole, ils arrivent 4-2 avec des marqueurs, du coup avec un marqueur, donc ça fait qu'ils se triggerent eux-mêmes pour piocher. Et vu que là il a rien qui fly, ça marche Bonjour très bien. Nanook. Bonjour le chat. Oh putain, il a Putain, mais ils te appuyé mauvais blitzent tous endroit. la gueule, hein. Mais en plus c'est fou parce que je disais entre les deux vidéos aval que dans les couleurs qui ne sont pas Rifter, c'est rare de blitzer. Et là on se prend deux games d'affilée où les mecs font ça. Bah ça marche bien, c'est fort hein, mais. Ouais, après ça a l'air vraiment fort, les sbires. Ah, c'est une bonne bête. Mika, comme on l'appelle. Ah ouais? Sbire des poutres. Pourquoi? Je sais pas, c'est Quentin qui m'a dit ça. Ah ok, d'accord. On m'a dit Sbire des poutres, c'est Mika. Eh ben écoute, Ah bah c'est un ange ça. je pense que tu peux quitter. Bon, je peux encore trade une bête. Hein. Oui, mais bon. On va voir. Je voyais pas tellement d'issue favorable là. Peu. Parce que là, Très peu. tu dois donner tes deux bêtes. Ouais, je dois donner une bête et trade, ouais. Ouais. Ah, je pense que c'est dead. Hein. Non, oui. Et comment ils font par contre pour avoir 1000 cartes en main comme ça là? Bah, il pioche avec Blitz. oh, il a pioché une carte quoi. Ah, il a pioché deux Bah, avec ça. Corpse. Ah ouais. Putain, chiant. Et on Et a nous on l'a Mulligan. défaussé. La mulligan est défaussée, ouais. Enfin, connive. Non, mais tu peux partir. Hein. Y a Ouais, aucun je crois moyen de qu'il y comeback. a. Notre deck, c'est un deck tempo. On n'a pas Il n'y a rien qui d'anti-bet. nous sauve Ouais. en vrai, ouais. On n'a pas d'anti-bet de masse pour reprendre le lead. Eh ben écoute, ils sont coriaces aujourd'hui en BO3. D'habitude, ils sont plus frêles. Ouais. Tu fais beaucoup de BO3? Non. Mais quand j'en fais, ils sont frêles. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas des points play-in à gagner dans ces événements-là maintenant? Ouais. Ah bah c'est pour ça. Alors ça c'est le les événements sont devenus plus durs que le ladder. Moi je le vois en construit. Donc là t'as que des mecs qui farment les pro points. Et donc forcément t'as beaucoup plus de niveau maintenant sur les événements traditionnels BO3 comme ça que ce qu'il y en avait sur le ladder. Donc là t'as un peu le bon tu pourrais c'est comme ça. T'as un peu Ouais, je la comprends. crème de la crème qui joue quoi. C'est là où tu vas tomber sur des gros Oh, joueurs. la cream de la cream. Cream of the cream. Et c'est pour ça que maintenant, t'as beaucoup de gens qui font des événements plutôt que du ladder, même en construit. Ouais. Ah, ça, en construit, je savais que c'était plus corsé. Mais Bah, c'est vrai qu'en BO3, j'avais pas fait trop le c'est lien. pareil, pareil pour le draft, du Parce coup. qu'il faut quand même gagner 20 drafts hein, pour être éligible. Ouais, mais C'est 20 long. drafts pour un mec comme JE, c'est quoi? C'est 3 jours, tu vois. C'est une petite après-midi. Donc bon. Ok. Enfin, on fait rien, mais bon, on a nos couleurs, nos Ouais, manas. non, mais tu peux pas garder ça. Si on mulligan la première main, on est obligé de mulligan celle-là. Ah non, parce qu'il nous manquait une couleur à la première main. On avait 3 cartes blanches et pas de land blanc. Ouais, mais non, mais tu gardes pas ça. Falloir qu'elle soit bonne, hein, la main d'après. Ouais, mais bon. Elle l'est. Elle est excellente. Elle est Elle est excellente. excellente Donc je cette vais main. virer ça. Le voleur, pourtant, tu peux le caster. Bah en fait, là le but c'est de faire tour 3 ça. Bah, dans ce cas, on enlève plutôt Séraphine. Bah, Séraphine, c'est un ange, ça marche bien aussi, on va la chercher. Non, moi je peux enlever Séraphine. Hein. C'est loin. Hein. J'ai failli faire mulligan.
Juste qu'il tue pas Giada tour 2, parce que Giada ça reste jamais. Bah, c'est sûr que s'il a des garrottés, il va pas te la laisser, ouais. Mulligan en face aussi. Très bon. Et là, faut que tu trouves un mana. Toujours pas. Cela dit, t'as trouvé un play pour le tour d'après. C'est un ange ou pas? Non. Putain, il a une gueule d'ange! Il aurait pu être un ange, je suis d'accord. Oh merde. Excellent. Super. C'est pas un ange le voleur agile? C'est un oiseau gredin. Dommage. Du coup, je curve. Oh, t'as bien raison. Et là, je trouve ange machin là. Je joue avec Giada, j'attaque, je pioche. Il est perdu. Ça fait quoi ça? C'est marqueur shield et quand il attaque, il donne le vol à une autre bête. Ouais, Osef un peu, non? Ouais, bah là, on agresse fort. Hein. Voleur agile pour voir Ouais. ce qu'il peut développer le tour d'après. Ouais. C'est peut-être pas si bien en draft le fait que ça prenne un nom créature. Hein. T'as peut-être pas beaucoup de. Oh bah ça, je te l'enlève, coco. T'as peut-être pas beaucoup de situations favorables pour ce voleur, vu Ouais. qu'il y a quand même 3 quarts de créatures dans les decks. C'est la première fois que je joue, mais on me l'a joué plusieurs fois contre et souvent ça a juste regardé ma main. Ouais, donc c'est assez mauvais. Hein. Après ça reste une 3, une 2 un fly pour 3, mais bon. Là on a pris une carte, donc c'est cool. Ça fait de la value. Faut pas passer Ouais. 3-4. Ouais, mais 2-1 fly pour 3, sachant qu'on splash pour elle. Mmh. J'avoue que c'est peut-être pas incroyable. Ça devrait faire saisir les pensées. Ça va? Ben oui, mais toi. Saisi? Ben pourquoi pas? Et on a des 2-2 pour 2 qui font saisie. On peut avoir une 2-1 fly pour 3, non? Ouais. Oui, c'est vrai qu'au Ah, tour 3, quand t'as ça. joué Tidal Hollowsculler ou Fiel le Mesmérien. Ah, mais ça rend. Ça fait Ah, pas mais saisi. moi je rends tous les jours, y a pas de problème. Tenez, je vous le rends. Y a aucun souci. Y a pas de bloc, hein? Oh, c'est un ange. Non. C'est un ange? Non. Ah. M'imagine. Bah, attaque avec ton parangon. Et c'est tout, hein? C'est bien tout. Bon. Ouais, mais t'es quand même devant là. Ah oui. S'il fait pas d'énormes Faut bêtises. faire attention parce que dans ces couleurs, il y a pas mal de brasses. Quand même, il y a notamment la brasse Il rare y a quoi. une rouge, une noire et une Rakdos, je crois, de Vras. Ça fait beaucoup, hein. Ah ouais. Donc, Après, bon, la plupart c'est des rares. Hein. Ah, il y a une oui. Grixis aussi. Eh oui, il y a une Naya aussi. Et une blanche. Ouais. Mais celle-là, on va pas les voir dans cette game Donc, normalement. tu vois, il y a moyen quand même qu'à un moment le board se fasse Il y a moyen de moyenner. des montadas quoi. Ça, pas bon. Piocher une carte puis regarder chaque joueur. Trop lent. Ouais, Comme Pactole, bon, tu joues ça, c'est. ça dépend l'ambition qu'il a dans cette game, mais ouais. J'attaque avec tout, il me bloque ça, il en lui met 3, 4, 5, 6, 7, 8, on le tue pas. Bah, si tu le tues pas, ne le fais pas alors, je pense. Par contre, Et le tour si je le tue d'après. pas, je le rends plus fort, Val. Bah ouais, je sais, c'est pour ça que c'est horrible. Tu le laisses à un gros, il gagne la partie. J'ai regardé des shonen, Il moi. blitz un truc, 16. J'ai Ah, c'est regardé des fort, shonen. blitz. Sangoku, il passe en Super Saiyan quand il a un. On n'est pas de trick sur l'inspecteur d'écho, s'il te plaît. Et pourtant, Putain. il y en a un. Là, je trade, hein. Bah ouais. Ah ouais. Il revient iconif, c'est ça? Ouais. C'est bien. Non. Et pourtant. Mais c'est bien. Et on n'a pas le quatrième mana pour développer deux plaies, donc tu remets un adepte, je crois. Hein. Et oui. Hein. C'est bien ce trick, cela, le truc noir? Ouais. Bah, ça a l'air de pas être bien, mais ça l'est. D'accord. Encore une fois, c'est les cartes dans New Capenna. Ça a pas l'air d'être bien, mais Mais c'est c'est bien. pas mal, quoi. D'accord. Bon, il est 2-3, ça change rien pour nous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Et du coup, ça lui donne le trésor pour jouer son spell à 4 qui vaut 1000. Bah, 4 quoi. Puis regardez la carte du dessus. Juste regardez. Ouais. Et c'est ce qu'on pioche du coup. Pourquoi? Ah, il regarde la nôtre. De chaque joueur, ouais. Ah, c'est rigolo ça. Ça, tu vois, je l'aurais foutu dans Commandant Legends. Rigolo. Oui. Faites Ils voir l'ont vos mis. cartes et chacun la montre comme ça. Ah, Et du non. coup, tu vois la carte de tout le monde, mais pas la tienne. Si, de chaque joueur. Bah oui, du coup, tu vois la carte de tout le monde, mais toi, tu vois pas la tienne. Pas de chaque adversaire. Ah, ok. Mais ça aurait été marrant que ce soit ça. Genre, chaque joueur révèle le dessus de sa carte. Et en gros, tout le monde sait ce que t'es, mais pas toi. Un peu comme le jeu avec le Ah. post-it sur le front. Ah oui, genre tu la révèles aux autres, Ça mais aurait été trop drôle. ouais. Chacun révèle Et sa du coup, tu carte fais et. politique, genre j'ai quoi? Et le mec te dit, ouais, c'est de la merde. Ça aurait été incroyable, putain. Wizard, si vous regardez. Après, ça, c'est des mécaniques d'Infinity et trucs comme ça, quoi. Ah mais je suis chaud. Hein.
Je dis ça alors que j'y joue jamais, je m'en fous, mais... Ou alors le texte, ça doit être genre... Mais si jamais ils prennent mon idée, promis, je joue. Chaque joueur regarde la carte du dessus de ses adversaires. Du voisin de gauche. Ah ouais. Ou que du voisin, ouais. Promis, si vous faites ça, Wizard, je joue. Une game. Oh putain, ils vont faire ça pour que tu joues une game? Mec, sait-on jamais. Je fais un aval blanc. Eh ben, il déroule le pouletto en face, hein. Ouais, bah, il y a un monde, on pioche des landes aussi. Ouais, voilà, genre ça. Est-ce que t'as plus de 2 de patates dans ton deck? Je crois que j'aurais dû bourrer, en fait, quand j'avais tout. Je passais à 2 et... Tu penses? Et ouais, parce que là, tu vois, il en était vrai, en vrai, on pouvait pas se douter qu'on allait se prendre ça, quoi. J'attaque, il m'entrait d'une, il passait à 6. Non, c'est pas bon. Non, je sais rien. Oh, des putains de landes, s'il vous plaît. Faudra, après, en vrai, là, les landes ne nous aident pas tant que ça. Hein. Ouais, ça fait 2 fois, hein. On fait des deaths là. Ouais. Non, mais je veux dire, là, accumuler des landes ne nous sauverait pas plus que ça. Bah, on peut jouer Compagnon qui peut attaquer. Tes renforcements là, qui nous permettraient d'avoir les talents de tour, on prend. Et oui. Et il nous a donné super vol. Il vole un peu plus haut. Un peu plus près des étoiles. Effleurateur de cadavres. Après, on peut piocher un rançonnement là-dessus. Boum, finito, quoi. Ben oui, bien sûr, c'est le but. Hein. Oh, il va trouver un contre. Évaluateur de cadavres, on n'est pas revenu sur le nom, mais... C'est-à-dire que le mec vient voir en mode, il est bien mort, lui? Ouais. Oui, il est bien mort. Non, il donne une note. Celui-là, ça c'est un 3 sur 10. Il est pourri comme cadavre. Oh putain. Et tu les évalues pour quoi, à ton avis? Pour les prêter dans des films? Second rôle, cadavre. Daniel Radcliffe, il a joué un cadavre. Eh oui. Ah non, super. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Un peu tard. Hein. J'attaque avec tout. Un peu tard, c'est une façon de dire un pétard. Ouais. Je suis fatigué. En vrai, attends. Eh non, mais il va gagner des PA, donc ça sert à rien. Je peux plus attaquer parce qu'il y a une lifelink. Elle est dégueulasse, cette game. Je la déteste. Je la déteste. Ouais. On gagnera la troisième. Hein. Non, je la déteste. Essaiera, mais... Je la déteste aussi, ouais. Mm. Il a joué une 2-3 fly. Et fini. Pourquoi il a 2 fois la gold Unko. Ah, mais ils sont très forts. Si tu en doutes, ils sont très forts. Mais ça a l'air bien, Grixis. Hein. J'en entends pas parler, mais moi, je vois ce qu'il fait. Ça a l'air trop bien. Ah bah, ça bat les mecs en death. Non, mais au-delà de ça. Et avec une 2-3, tu bloques tout le board d'Azorius. Donc, on a 2 rançonnements. Chaque pioche, c'est une chance sur 15 de piocher en rançonnement. Une chance sur 14 même. Une chance sur 13. Non, on a autre chose que rançonnement de toute façon pour passer. En plus, on a un boon, ce qu'on n'a jamais pioché de notre vie. Enfin, on fait des trucs, on joue à Magic. Est-ce qu'on va pas voler ça? Un double bloc sur. Ah non, mais. Ah oui, j'ai double bloc ça, ouais. Ah ouais? Bah, sinon, lifelink, on perd quoi. D'accord. Allô? Et je crois que je vais trade mon bouclier là-dessus. Mais tu peux du coup mettre ton. Ah non, oui. Ça vole. Non, mais du coup, fais-le, traite ton bouclier. Sur son bouclier? Bah, je crois, ouais. Ok. Vu que c'est toi qui es derrière, c'est plutôt toi qui as incité à enlever le bouclier des autres, non? I guess. 3 PEV, il tue une Batfly. Excellent. Excellent. Oh putain, il va faire le truc là qui fait moins un moins un tout. Mais what? Ok, Bobby. Quoi? Ok, Bobby. C'est possible ça? Bah écoute, il le fait lui. Hein. En plus, quand je dis bien, ouais, plutôt bicolore, invité tricolore, il lui joue des 3 tricolores. Comment il fait? Ah bah il est bon. Hein. Mais ouais. J'attaque avec ça, c'est de la merde, non? Ah, c'est mieux en attaque qu'en défense, de toute façon. Oui, oui, attaque, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bourre-le. Et tu fais serveur. Ah, t'aurais dû faire serveur pré-combat parce que tu perds. Il y a un peu de plus. Ouais, ouais, je me dis qu'il a peur d'un tricks là. Tu vois, regarde, il prend un 4 là. Il a peur d'un tricks, tu penses? Moi, j'aurais pas eu peur d'un tricks. T'as peur de rien, toi, voilà. Mais c'est ta force et ta faiblesse en même temps. C'est faux, hein, j'ai peur de tout, moi. Oh putain, c'est quoi ça? Toute sa vie. Juste peureux. Oh. J'ai joué un rôle au cinéma, faux, c'était une classe cinéma en CM1. C'était une bande de 7 super-héros. Mais c'est quelque part du cinéma, un rôle de 7 super-héros. Et donc du coup qu'avait chacun qui était défini par une qualité. Oui, bah c'est un truc de CM1 évidemment. Donc il y avait le courageux, l'intello, et moi j'étais quoi? Toi t'étais le peureux. Oui. Mais n'empêche, c'est scandaleux. Ils disent alors vous êtes stylé et lui il est peureux.
But sur on était quoi? Deux ou trois classes, donc genre sur quasiment 100 élèves, je grossis un peu, on était peut-être 60. Ouais. Et j'ai eu un des 7 premiers rôles, un des 7 rôles principaux. Et ouais, celui que les gens ne voulaient pas. J'étais mais on n'a pas choisi, on était casté monsieur. Bon. On a été casté, on a passé un casting monsieur. Ah oui. Et j'ai eu surtout le plus de textes. J'ai le plus de temps à l'écran parce que je me perds dans une forêt. Mec, franchement, c'était le début d'une carrière, hein, t'as loupé. Hein. Eh ouais, de ouf. Alors, je tombe dans son tricks ici. Je me revois, j'ai envie de me chier dessus. Et je sais pas, je bouffe ça. Avec ça plutôt. Je suis plus dans cette game, fais ce que tu veux. Je prends 11 là. Est-ce que t'acceptes qu'on passe à 2? Oui, oui, oui. Si ça écourte la game. Ah bah oui, oui, j'écourte fort là. Plus 2, plus 0. Bon, ouais, il en a eu un, il peut en avoir ouais, un autre. Ouais, ouais, vas-y, let's go, maintenant. Voilà. Ah bah voilà. Parfait. Ouais, il veut pas te tuer. Non, il pouvait me tuer, mais il a décidé de. Il veut pas te tuer, mais putain, mais qui fait ça, Strange Venom? Ah bah oui, oups. Non, je voulais répondre en cliquant dessus. Putain, y a pas moyen d'avoir un comeback létal là? Mais non, y a pas moyen, je crois. Hein. Putain, tu sais que si on a anti-bête, il est mort. Hein. Si on pioche anti-bête, il a perdu mais la game. Ouais, ça aurait été incroyable. Donc j'ai envie de chier. Tu peux trouver un anti-bête pour un mana avec inspecteur déco? Non. Dommage. Y a pas Candle Trap dans le format? Bah, pas dans le deck en tout cas. Dommage. Bon, vas-y, bah, tu peux partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et on gagne un PF, on n'est pas mort. On n'est pas mort parce qu'on laisse passer le 2-3? Ouais. Bah, vas-y, ouais. Vas-y, s'il te plaît. En vrai, ça va, hein. Si on n'est pas mort. Mais dégoût de vol. Enlève le crieur. Ouais. On peut pas. Il nous faut au moins. Il faut que on ait pas un free trade sur toutes nos cartes, quoi. Et du coup, t'attaques avec le. Non, t'as. Bah si, t'es obligé d'attaquer avec pas. Le. Ah oui, non, parce que tu gagneras ton PV en bloquant, ouais, pardon. Ouais. Puis là, il fait n'importe quel anti-bête et on non, va caguer derrière le dos. Bête blitz, gros. Non. Juste une bête blitz. Stop les bêtes blitz. Just. Basta. A blitz beastor. Mais putain, on perd que sur des bad beats. Je vous jure, ça ne m'arrive jamais. J'ai fait plein de drafts, ça ne m'arrive jamais. Quand est-ce que ça m'arrive, Val? Jamais. Jamais. Merci. Et ils sont peut-être meilleurs, là. Et c'est la course au point, gros. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. À quoi cela et sert-il? Voilà. Prends 5. Mon gros vier. Oh, mon gros vier. Bien joué Strange Venom. On va passer du coup. Là on a vraiment besoin d'une victoire. Bah oui, là sinon c'est Fanny hein. Et Fanny on passe où? Sous le baby. Eh oui. Sinon c'est Fanny c'est bise sur le cul. Ça c'était dans les années 70 ça. On a évolué après. Ah bah oui, après on a joué au baby foot. Mais non, c'est genre quand tu perdais au baby dans les années 70, bise sur le cul. C'était Fanny bise sur le cul. Maintenant, maintenant c'est sous le baby, enfin, quoi. D'ailleurs tu sais d'où ça vient? Non. Ça vient normalement d'un. Je sais plus, une statue ou une. Ou un, une espèce de pancarte en bois. Et en fait, quand ils étaient Fanny. Donc, Fanny, pour ceux qui ne sont pas du Sud, c'est quand tu perds. Quand tu gagnes aucune manche d'une rencontre. Voilà, quand tu perds 13-0. Quand tu perds et que t'es à 0. Typiquement. T'es Fanny. Et ben en fait, t'allais à ce truc en bois et tu faisais une bise sur le cul. Et tu bises sur le cul du truc, ouais, en bois. Putain, je crois que c'était bise sur le cul du collègue. Ah bah ça dépendait du collègue. Il pouvait t'embrouiller, quoi. Mais. Si, c'est ça le truc. Putain, trop sale. Voilà un peu d'histoire marseillaise. Tu en tout cas, c'est ça, ce qu'on m'a. Oui. Ah, c'est oui. Ce qu'on m'a raconté. Si jamais c'était faux, bah du coup, je me suis fait prank. Mais prankez à votre tour des gens sur cette histoire. Tu connais l'histoire de Fanny Bisous sur le cul? Il va dire arrête de me parler. Oui, j'arrête. Mais avec rançonnement. C'est marrant parce qu'on pioche nos deux rançonnements, pas de créatures. Alors que. Oh, let's là, go! C'est bien, en fait. Là, c'est bien. Juste let's go! Alors que la game d'avant, on pouvait piocher nos rançonnements pour gagner. Mec, on va juste gagner une game. Et non! On va juste gagner une game. C'est parti. Mec. Il est juste. Oh, il joue tout ce ça. Là. Il est juste pas prêt, quoi. Oh, il y a bien que des. Peut-être qu'il y a une seconde lecture du draft maintenant où en fait on s'est rendu compte que c'était Dimir qui était pété. Non. Pétail. Je pense pas. Je pense pas qu'ils aient mal lu à ce point-là. Moi, je sais pas. Hein. Franchement, archétype caché. Hein. Bam! Crocodile et évaluateur de cadavre. Ils ont tout ce ça. Non, mais gros, ils ont tout ça et c'est la course au pro-point. C'est sûr que c'est trop bien en fait. Non, c'est pas la course au pro point, on est à 0-2 là. Même le cadavre, la valeur de cadavre là,
Il prend les cadavres. Il les avale. Thierry disait que c'était trop bien, donc c'est qu'ils les ont joués, quoi. Oui. Ah, mais c'est une bonne carte. Ah, c'est mais une... ça sous-entend qu'il est joué, si on... C'est une 3-3 pour 3 qui fait piocher une carte. Non, mais... Oui, mais ça veut dire que les gens ont joué Grixis pour savoir que c'était bien, tu vois. Ouais. Je sais pas. Hein. Non, mais de toute façon, tu peux gagner avec d'autres bicolorités. Hein. Oh, mes couilles. Mais écoute, tu gagnes quand même la course, non? Oui, parce qu'on fait un duel de rien, mais... Ouais, bah, let's go. Moi, je prends les duels de rien. Là, je suis à deux doigts de faire ça. Hein. Ah ouais, bah, tu vas rester à deux doigts, mon pote. Hein. Putain, il m'a appelé mon pote, c'est que vraiment, j'ai dit une connerie, là. On va pas faire ça. Hein. Oh. Let's go. Parfait. Sur Krier. Ah, j'aurais dû lander en réponse. Je nous oh, il est en Tibet, 1000%. Regarde le murder qui part. L'homicide. Murder. Putain, si j'avais landé, je pouvais payer. C'est con quand même. Mais ouais. Et je pensais pas qu'il allait faire ça parce que ça, c'est pas une bonne carte. Mais là, ça marche bien. Eh oui. Ça m'emmerde. T'es sûr que c'est pas une bonne carte, ça, cela dit ? C'est ok. En fait, ça dépend de tes stratégies. Mais lui, s'il veut jouer que des rituels, il a pas le temps normalement de jouer ça. Par contre, quand tu as Azorius et que tu fais drop 1, 2, 3 et ensuite t'as un contre, ouais. C'est bien. Le pickpocket psychique, il fait quoi, lui ? Dis-le plein de fois. Pickpocket psychique. C'est dur. Ah, un peu dur. C'est très très dur. Il boons quand il connive. Enfin, quand il arrive en jeu, il connive, puis il boons. Oh, en réponse. Ah ouais, mais non. Ok. Oh, nice, tu peux... Ouais, ça plus rançonner la 4-3, je pense. Oui. Ou tu veux pré-shot et rançonner la 2-2 avant qu'elle devienne 3-3 lifelink. Ouais, il faut qu'il se meule pendant son tour, là. Ouais, sachant qu'il va en V1 drop 1, certainement. Donc tu peux ne rien rançonner et juste buffer ton parangon. Je peux aussi, ouais. Bon, bah, ne rançonnerai, au pire, on prendra 6. Parce que du coup, on a 4, 5, 6, 7. Alors, on n'a pas l'état, là. Non, mais bon, au moins, on peut garder plus de... Ok. Ah, il peut réussir, du coup, à se mêler, à trouver le... Après. Parce qu'il sait ah, donc il gagnera pas les PV. Mmh. Bon, bah, tout va bien, là. Bon, on va rançonner ça. Pépouze. Et il va défausser ça. Crocodile. Je pense... Ouais, ok, bon, c'est parfait. Paiement Toto. Draw 2. Ok. Oh! Bah, nice, tu peux faire les deux. Hein. Je vais faire ça d'abord. Tu fais ça d'abord, tu bourres et tu rançonnes? Ouais. Toc avec tout. Hein. Oui. Ne nous emmerdons pas. Ouais, je m'emmerde pas du tout, voilà. Ah, c'est une game qui se déroule sans accro. Ça, voilà, le deck doit faire ça. Le game. J'adore. Tu peux jouer ton Krier Céleste aussi. Ouais. J'hésitais à rançonner ça pour vraiment l'emmerder. Comme ça, il joue Vrasse. Oh, j'ai fait deux rançonnements là-dessus. Vas-y, on gère-en. Tu la double rançonne. Ah, il peut land, payer la rançon. Et attaquer. Attaquer. Bon, il est foutrax. Ouais. S'il fait ça, c'est qu'il est foutrax. Ouais, ce qu'il est pas très bien. Tu vas le re-rançonner du coup. On a 9 points de fly. Hein. Ah ouais, il faut qu'il fasse Montagne-Garo là. Il a pas. Mec, j'aurais rêvé qu'il fasse Montagne-Garo. Ah ouais. Moi, j'accepte de perdre. J'accepte de perdre pour ça. Là, c'est je vis du grand Magic quoi, tu vois. Non. Mec, il joue Dimir pendant deux games. Non. Non. T'es pas prêt? Oh, let's go. Il faut rançonner un peu plus là, non, lui. On s'en fout. Il fait rien, lui. Ah, il fait rien. Il fait cud. Ah, j'y vais. De toute façon, on avait deux rançonnements main de départ. Oui. Il y en a un qui a servi à rien. Du coup, on les aura. Donc, bah oui. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de sentiment de finissons rapidement cette vidéo. Bah en fait c'est genre vu que ça s'est pas très bien passé qu'on joue plus pour on était parti pour faire un marathon et sur les 40 premiers mètres il y a des gens qui nous tiraient dessus mais dans les jambes et nous on était là en mode bah, c'est plus dur du coup du coup déjà après, que c'est dur on nous dit non mais là c'est bon finissez on arrête mais du coup on dit non mais on a plus envie de courir là je suis plus envie là de le faire le marathon en fait c'est dur hein. C'est dur de te battre quand tu n'as plus rien à jouer. Ouais, bah là tu joues pour 150 gemmes vol. Et ouais. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas un booster. C'est un booster quand il y a des promos. C'est un booster promo. C'est un booster en promo. Donc c'est bien. Mais un booster promo sur Arena, c'est pas un bon booster. Tu penses ? Alors qu'un booster. Excellent. Un booster promo IRL. C'est trop bien. Ah, aussi le truc qu'on a fait à la game 1, on a déchiré le type. On peut le refaire aussi. Hein.
C'est que deux cartes. C'est vrai. Bon, après, deux cartes sur 40, je comprends qu'on le fasse pas tout le temps. Par contre, si on avait pris la gold bante, on l'aurait encore moins fait. Putain, j'allais dire, il joue encore ça, lui. Bah oui, c'est le même Oppo, en fait. Et ils jouent tous ça. Et tiens, je te mets Guillaume. C'est un ange, là. Hein, c'est un ange. C'est un ange, ouais. Hein, c'est un ange. Mais c'est bon, le on mec, fait le truc. Le mec, il... Ce que doit faire le deck, on va le faire, là. Le mec, il a peur, il est insistant. C'est bien un ange, hein. C'est un ange, Val. Super. La source de Halo. Un des ange, Val, c'est les habitants d'Angevin. D'Angers, du coup. D'Angers. Ah oui. Bah, du coup, c'est des Angevins, c'est pas des Angeval. Ma blague. Je me suis disrupté ma propre blague. Ah, c'est nul, hein. Oui. Oui. J'allais dire une anecdote, mais elle est tellement nulle, insignifiante, pas drôle, que je vais pas la dire. Moi, j'en fais souvent. Mais merde ! C'est pas très grave, hein, tu sais, tu peux. Hein. Merde ! En plus, c'est vraiment éclaté. Et bah, du coup, je l'ai dit. Un jour, aux grosses têtes, il y a un mec qui appelle. Il vient d'Angers et il s'appelle Monsieur Legrand. Du coup, c'était Monsieur Legrand d'Angers. Et c'est véridique. J'aime bien, moi. Mais c'était pas très... Mais on pouvait bien se passer de cette anecdote. Non, ben non. Franchement, toute anecdote est bonne à prendre, je trouve. Oh, si contre-écrieur, je prenais ça, là, et je faisais quelque chose avec cette télécommande. Mais ne sais pas quoi. Tu sais que c'est pas grave, parce que étonnamment, il y a une télécommande pour chaque bande de LED. Ouais. Sauf qu'une seule télécommande... Commande tout. Peut commander toutes les bandes de LED. C'est la master télécommande. Ce qui fait que si tu gères cette télécommande d'une quelconque manière, tu es battu. Par un phénomène totalement résilient, non, j'ai une deuxième télécommande qui m'a été donnée dans la deuxième bande de LED. Du coup, bien joué. Ce qui fait que je m'en branle si tu la jettes. C'est pas sympa pour la télécommande, mais je comprends. Et on va rançonner. Hein. Oui, je l'emmerde lui. J'ai envie de l'emmerder. Donc si t'as une gestion sur ma télécommande, je suis fine, quoi. Eh ben non, bah j'ai un land, hein. quand même pas garder plein de land dans la main, non. Ben non, mais j'étais obligé de garder mes deux cartes. Il me fallait un putain de marqueur sur le crieur. Ah oui, pour Ange, pour Ange de la métropole. Pour Ange. Eh oui. Ange de la métropole. Il bounce quoi, ça ou ça? À mon crieur, je pense. Mais au moins, tu te donnes le droit de faire une sortie sur le play avec le play qui déchire. Le play qui déchire. Non, mais c'est pas fini, là, quand même. Ah, franchement, ça y est. Hein. Ah putain, non, il faut que je mette un marqueur, il faut que j'enlève ça. On est plus loin. T'es sûr qu'il faut mettre un marqueur? Ah ouais, pour ça, ouais, il faut que je fasse des trucs là. Non, franchement, faut pas que tu mettes. Nuisance, c'est si, bien. Si, hein. Si. Ah, je vire le crieur, je suis bon. Ok. Je suis mais garde la nuisance. Oh, ouais, t'inquiète. Voilà. Nuit à son psychopathe. Je le fais maintenant. Psychopathe psychique. Oui. Excellent. Mec, on est trop bien là. Ça, est-ce qu'on pouvait la piocher une fois dans notre vie? Ne râlons pas, cette game se passe très bien. J'ai envie de râler, Val. PL. Faut que j'exorcise. J'ai été très serein. Si tu continues. Je suis resté dans des games perdues, Val. J'ai le droit de râler, là. Les petites boules roses, PL. Hop, attention, petites boules roses. Attention, hein. Bon, j'arrête. On sait comment c'est quand tu pars comme ça, t'es inarrêtable. Y a que les petites boules roses qui font effet. Hein. Et tu me les jettes comme ça, là. Tiens, arrête donc. Et après, tu sais ce qui se passe après les petites boules roses, hein. Je ferme la porte à clé. Hein. Les pains dans la gueule. Je ferme la porte à clé, ça peut durer longtemps, PL. On est bon, Val, regarde. Oui, on est bon. Je mets ma créature sur le champ de bataille. Mais dis donc. Non. Il a un contre-sort. Bien. Ça aurait été trop drôle, putain. Couché. Moi, je suis pour l'oppo maintenant. Mais sois avec moi, Val. Si, il propose même pas quelque chose d'agréable. Je sais pas, je trouve ça marrant, la propension qu'ont les gens à avoir tout ce qu'il faut pour nous battre. Eh oui. Il y a quelqu'un qui nous a dit en commentaire récemment, il dit, vous pouvez jouer le deck de l'oppo, voir si vous avez autant de chance que lui. Ah, je peux te le dire, on n'aura pas autant de chance. On n'aura pas. Pas en vidéo, en tout cas. Hors stream, on a les codes streamer. Ça a été prouvé, il y avait un compte Facebook qui nous a débunké. Il a trouvé, il a dit... Ça me va. Tu vois, il a quitté la ville. Mec, c'est comme une leçon. Pour un malade puce qui va pas chercher une carte et qui compte pas les sorts. Rien à voir. Super. Permanent non-terrain. Ça peut même pas bouncer un land. Alors j'avoue, c'est éclaté, mais... À quoi ça te fait penser... Comme j'ai passé tout le draft à te dire, prends ça, ça a l'air bien. Ouais. À quoi ça te fait penser, ce véhicule? Un éléphant. Le cimetière d'éléphants dans... Un Kirikou. Pas du tout. J'ai pas vu Kirikou. Dans Le Roi Lion. Moi, ça me fait penser à un scarabée. Fais voir. Peut-être que j'ai mal vu. Ah, ça ressemble plus à un scarabée, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai vu le cimetière d'éléphants dans Le Roi Lion. C'est pas grave. Oui. Mec, ultime. Ça a payé avec mon land noir, là, je viens de capter. Vous nous direz, du coup, dans les commentaires, si vous voyez plus un scarabée ou un cimetière d'éléphants. Ça m'intéresse. Je serais déçu. Pourquoi? Ah, j'aurais pu jouer ça.
Mais ça payait qu'un lendemain, on sait pas pourquoi. Donc j'avais un lendemain dans la main. Et ouais. Ah, je vais renvoyer en main par contre son truc. Bah oui. Ah bah oui. Fais donc voir ta dernière carte, toi. Oui, de toute façon, tu développes du bord. Le pépère. Donc, t'y vas. Et bah, elle un est beau nulle. marais. Elle est nulle. Attends, faut que tu l'en as. Hein. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que tu passais le tour. Tranquille. Tranquille. Je suis pro. T'es Ouais, pro? je peux le faire maintenant. Ouais, t'as peur qu'il te top deck contre et que t'es vraiment, vraiment, vraiment le seul. Ouais. Après, on peut être joueur. Hein. Moi, Non, moi non, ça non. Non, moi, m'amuserait. je joue plus, moi. Je joue plus, voilà. Oh, Eh bien, super, eh bien. super, Blablabla. super. Bon, après, quand il a 7 mana, ça fait plus rien, mais. Ça fait draw. Deux mana, tu payes 7, je draw. Ouais, c'est vrai, oui, Et vu c'est en comme rituel ça. en plus. Non, mais c'est vrai, c'est Oh! vrai. Attends, il a plus que 6 landes. Ouais, bah, il va poser le 7ème. 17, il se remeule de 2. Et il est bon, hein? Il est bon celui-là. Mec, on va aller au bout. Rançonne-le maintenant. Hop là. Et pose notre parangon, bourre-moi cet individu. Je bourre l'individu, voilà. Sus nommé. Je mets le parangon. Putain, on n'est pas loin de pouvoir lui donner un marqueur, c'est dommage quand même. Un mana Bah, après. tour prochain. Là, il peut pas tout faire, hein. Du mana S'il veut le rouge. récupérer, effectivement, il peut pas tout faire. Il le Ça me récupérera va. pas, ça c'est une bonne nouvelle. Pas ce tour 6. Il en a trois aussi comme l'opo précédent ou pas? Bah, il se les passe. Hein. Quand Tiens. il a fini la game, bah, je les joue plus. Le boss. Trois cartes actives, bien joué la meule. Et on trouve un land, bien joué la meule, bien joué la meule. Ouais, bah t'es quand J'attaque, même hein. obligé de bourrer, malheureusement. Là, il va payer 7 et il fait la course, je crois. Oh, il nous tue ça, il nous enlève ça. Allez, Ok. Andro. Ça, c'est Bonne, bien. bonne carte. Bonne Et carte. les Ça fait poissons. quoi? Ça fait des poissons. Ah, ok. D'accord. Un petit poisson. Qui est imbloquable, c'est ça? Ouais. Ok. On a trouvé une carte active. Oh, c'est pas possible. Ah, aussi, si on fait pas d'effort, à pas réussir. Allez, 2-3, du coup, je ne bloque pas ces merdes. Eh ouais. Tu crois qu'il faut pas. Bon, ça bloque mal, donc je peux l'envoyer. Et la 3-1, tu veux bloquer la Quoique, 3-3 pour que ça cesse? je peux double bloquer ça. Et bloquer ça, ouais. Pas d'attaque. Ah, t'attaques pas? Bah, il a lifelink, donc. Je mets 2, il met 6, Tu gagnes pas 7. tu gagnes pas la course, quoi. Oh. Mais gros, chaque fois. C'est un truc de fou. Du coup, vas-y, fais le bloc que tu voulais. Ouais, on en est là. Hein. Putain, elle commençait tellement bien cette game. Il s'est passé quoi? Bah, on a pioché que des landes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et en reste 4. 4 sur 12 cartes. Pardon. Eh bah, t'es Eh sonné. ben, con. Dis donc. Eh ben. Il reste plus que 3 du coup sur 11 cartes. Excellent. Excellent, gars. C'est génial, hein? Mais du coup, on va pouvoir jouer une troisième game. Pour beaucoup plus de plaisir. Bah oui, évidemment. Moi, de toute façon, je suis pour Code Lod, donc ça va. Pas déçu. Donc toi, t'es plus content que pas content. Ouais, voilà. Et si on gagne, je serai content pour les bienfaits de la vidéo. Donc je me mets dans une situation win-win. Mais tu sais, là où on Un peu perd les comme games, parier contre celui que tu veux ne pas avoir gagné. Pour c'est celui, pardon. pareil contre ton cœur. Ouais, c'est ça, pareil contre ton cœur. Le moment où on perd, c'est quand on garde pas une créature en bloc à première vidéo. On avait déjà perdu depuis ce moment-là. Ouais. Parce que putain, il blitz une créature, quoi. Et ils ont vraiment blitzé dans Toutes les games. toutes les games. Mais vraiment, genre, quand je te dis que je le vois peu, Genre c'est. tout. Je pense que c'est une game sur 3, quoi, que je vois un mec blitz. Je te dis, Donc. il y a eu un changement de paradigme. Ah bah ouais, il est beau, hein. Après, le résultat est là, hein, c'est fort. Mais genre, Ouais. ça n'arrive pas. En fait, j'ai l'impression Peu. qu'ils ont des packs avec full interaction et. Et bien des poutres. Et de la value, Poutres. quoi. Et ça a l'air de. Bah, interaction plus value, ça bat notre plan de jeu tempo. Et... Oh, regarde ça, tu vas adorer. Non, mais je sais ce que ça fait. Muldur prend une bête. Muldur prend Ouais, une je bête. sais ce que ça fait. Vas-y, 3 pars, cartes après. pars, 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 Attends, attends, attends. pars, 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 pars. 2. Il nous met à 2. 1. Il nous met à 1. Non, mais partez, monsieur. Il est Ce l'heure. n'est pas fini. Mais si, c'est fini. Mais non, on va gagner la meule. Mais bien sûr que non. Mais ici, regarde, plus qu'une carte. Ah ouais?
Ben non. Et à Blitz, c'est ça. Ah merde, je suis con, il a assez de mana. Je croyais qu'il me manquait un mana. Eh oui. Ben ouais, non. Il y a un petit mot fleuri qui a failli partir là. Bon. Toujours rien en side. Et ça, c'est aussi une faiblesse de notre deck, hein, de pas avoir grand chose en side. Hein. Mais bon, cela dit, c'est pas très grave. Parce qu'en paix. Allez, sur le play là, tu me sors le tour 2, tu m'équipes le tour 2. Oh, je te sens le grand jeu. Tu me le fais connive là. Putain, tu m'emmènes au resto, tu me fais rêver quoi. Hop, oh, putain, on va passer une bonne soirée, Val. Mec, allez, maintenant là. Sans déconner. Allez. Là, tu m'as emmené au McDo à 15h. Porte de Saint-Ouen. Pas comme ça qu'on a pécho, hein. Putain, ça fait écho à notre week-end, ça, que tu viens de dire. Pour ça que j'ai dit. Mais du encore, coup, on l'a pas encore vécu. Alors que les gens qui le voient, on l'a déjà vécu. On l'a déjà vécu. Du coup, qui gagne dans la... Ceux qui sont dans le passé ou ceux qui sont dans le futur? Dans la roue des vécus. T'es dans le futur, c'est toi qui gagne. Mais du coup, on pouvait pas perdre. Ben non, c'est pour ça. C'est win-win. N'est pas de side code load. Alors, qu'est-ce que j'ai comme créature qui blitz que je peux rajouter à mon deck? C'est bon, ça suffit le sbire des poutres. Le draft. Il nous a tué deux fois. Le draft de la mauvaise foi. C'est une excellente vidéo et un très mauvais draft. Je trouve ça incroyable. Oui. Mais le deck est bon, hein. Mais oui, il est pas mauvais. Mais les games le sont pas bonnes. Putain. Le compte fou. Est pas bon. Hein. Première, on la perd parce qu'on garde pas un truc. Ok. Ouais. Genre. Bon, en vrai, hein, on était quand même pas si frais, cela dit. Abandonner des bêtes, on était, oui, était mi-fige. Je sais pas si on la perd spécifiquement sur ça. Je pense que ça a accéléré le décès. Ouais, on perdait dans tous les cas, c'est juste qu'on a perdu on the spot. Ouais. Sur l'endroit. Oui. Bon, on s'en fout, la code load, de toute façon, on va le bourrer là. Ah oui. Je signe. Hein, même départ, exceptionnel. Je regarde même pas chaque. Parce que j'étais pour code load en game 2, mais plus en game 3. En premier. Deux landes sur trois qui font du noir. Allez, bazarde-moi cette main. Bien. C'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Rançonnement plus. Ah, plutôt hors de mon chemin, non? C'est Boons Draw, c'est bien ça. Ah ouais? Wow, okay. Ouais, qui fait des trucs de. Je sais pas, lui, j'ai l'impression que tour 3 il nous attaque avec une 3-3 lifelink à chaque fois, donc. Oui. Oui, oui, bah oui. Oh! Voilà. On peut aussi. Ça, ça fait des trucs, hein. Trouve un land, putain. Oh bon, là, on dégage. Ça, c'est de la merde de toute façon, non? Oui. Voilà. Tour d'après, small de 3. Hop, 5 mana de. 5 valeurs de mana. Et GG, let's go. Moi, j'y vais, hein. Oui. GG, let's go. C'est marrant comme sonorité. Géjo. Géjo. Je sais pas toi, mais moi, Géjo. T'enlèves ça, d'un coup. Ah! Bah, faut garder les bêtes là. Pourquoi? Bah, on perd sinon. Mais il faut interagir avec sa merde, non? Tranquille. Tranquille? Fais conf. Ah, putain, ouais, t'es tranquille, toi. Il y a un rançonnement là. il va remonter. Poup, poup, petit à petit, comme ça. Mec, il en a combien? Ah, combien? Par contre, s'il meule deux types différents, ok, ça va. Ça aurait été exceptionnel. C'est abusé. C'est juste abusé. Allez, vas-y, pioche un max de cartes. Oh, regarde. Regarde où on vole. Mec, on peut plus perdre. Bim, 4 points. C'est un éphémère, ça? Ouais. Oh. Excellent ça. Enlève la Séraphine, on s'en fout. Putain, Séraphine, vraiment, elle aurait été là pour être discard. Hein. Oui, mais tant mieux. Tant mieux, c'est un très bon rôle. Alors, s'il te plaît, ne tue pas Affiné de Raffine maintenant. Affiné de Raffine. Ça va. Affiné des Turner. Pas de bloc. On va prendre deux. Hein. Oh, et là, en instant, il meule le boss. El boss. Non. Non. Yes. Oh, ça fait un truc bizarre. Bah, il avait un truc à jouer. Il a attendu l'upkeep. Et bah, il est bien puni pour ça. Mais non. Ah non, putain, merde. Ah, je t'avais dit que c'était trop fort le scarabée. Non, c'est pas trop fort. Mec, c'est trop fort. Ah non, tu mets pas dessus ça. Bah, je vais pas connive là. Ah ouais, tu peux. Ok. Tu me tues. Ouais. Ça, je suis sûr d'avoir un truc à défausser. Oui, t'as raison. Je t'avais dit le scarabée. Hein. Putain, scarabée. Qui est résultant en titre de fou, tu sais. Zou. Oh, que c'est de la merde. De la marde. De la marde. On est quand même devant. Oui, bah. Faut putain. Juste qu'il ne mette pas son cinquième truc là. La sortie qu'on fait. Et du coup, ça bounce, donc on ne peut pas bloquer, mais grosse couille. Et il va défausser. Oh, il défausse un truc pour enable ça. Je chie. Ouh. Oh putain, si. Eh ben, je chie.
Mais Val, c'est terrible. Mais c'est gros, terrible. C'est trop fort. Ils sont trop forts, les mecs. Franchement, je prends jamais ça. Je peux donner mes stats sans me vanter ou quoi. J'ai 65% winrate en draft capena. Ouais. Je ne prends jamais ça. Mais je te dis, est-ce que tous les mecs que tu as affrontés avant, ils sont pas partis en événement? C'est peut-être ça le truc. Hein. Gros, là, ils sont trop forts, les mecs. Et je pense que comme nous, on s'est tous un peu battu sur U-White. Hein, en vrai, ils sont quand même au-delà de ça, même s'ils sont peut-être meilleurs que ceux qui étaient avant sur le ladder. Dans tous les cas, ils piochent quand même trop bien, les mecs. C'est incroyable. Ouais, ils sont super bons. C'est exceptionnel. Eh oui, avec tout. Il a un Trix. Il nous tue encore sur la bête Blitz, d'ailleurs. Après, tu pourras donner faveur. Donc, Ok. Comme ça, gagne plein de PEV, jeune homme. Oh, il a le plus 4, plus 3. S'il joue ça dans son deck, vraiment, ça n'a pas de sens. Ok. Ok, c'est vachement fort, ça, en vrai. Hein. Ouais, ça, c'est une très bonne carte. Ouais. En plus, il y a deux laquais sacrifiables, donc vraiment, c'est très fort. Il a pas trouvé mieux. Fais voir, il a quoi à reprendre, là? Ah si, il a quand même du choix. Ça va. Il a rien pris. Ah non, oui, il avait rien à reprendre. Ok. Non. Ok. Bon, on est à 4. Ce qui est un chiffre dégueulasse. Ouais. Oui. Et c'est une vraie play, les 3-3. Ah ouais. Tu peux développer les deux? Non, tu peux en développer qu'un. Vaut mieux développer le voleur, du coup. Tu développes le voleur, t'attaques avec la 3-1. Et on bloque avec la 3-4, quoi. Si j'attaque avec ça, que je draw un land, je peux jouer les deux. Pourquoi ça connive en attaquant, si ça? Non, mais c'est quand j'attaque... Ah! Je pioche. Après, du coup, attaque plutôt avec la 3-4. Ah, mais le body, en fait, on a envie de garder, quoi, en bloc. Pour bloquer ça, justement. Pour bloquer quoi? La 3-3, tu veux dire? Ouais, la 3-3, ou même la 4-3. Ouais. Mais du coup, tu peux attaquer avec la 3-1. Même pas, en fait, je crois. Si t'attaques pas, t'attaques avec personne. Non, quoi. Parce qu'en plus, il peut blitzer des trucs et nous tuer. Donc... À prendre l'info, déjà. Encore une. Mais il en a combien dans son deck? Bah, il a sacrifié réanimé, mais il en a 3, je crois. Au moins. Ouais. Au moins 3, ouais. Putain, draw, c'est tentant quand même. Mais je dois trade chump. Tu dois trade, tu trade et tu chump. Non, t'as pas à chumper, tu peux passer à 1. Je peux passer à 1, ouais. Je sais pas, est-ce qu'il faut le faire? J'en sais rien. Vas-y, je tente. Je crois qu'on est trop derrière. On accepte de perdre. On est à 4. Sur ce play. Ok, nice. Ouais, on était obligé de prendre quelques risques, en fait. Et il va faire ses poissons pour le tuer en deux tours. Ouais, ça c'est un blocable, c'est ça? Ouais. Un blocable, et puis il a du lifelink pour pas mourir. Ah. Tu penses qu'il faut faire quoi, du coup? Passer à 1? Si je passe à 1, je lui donne juste ça. Pourquoi? Pour garder ça et avoir un truc qui draw. Essayer d'avoir l'étal. On n'a pas l'étal. Non, si on passe à 1, il nous tue le tour prochain, en fait. Donc, mais dans tous les cas... Ah ouais. Je préfère tuer ça. Mais attends, mais sinon, sur le comeback, on met combien, nous? On met 6, 8, 9... Ouais, on n'a aucun moyen de tuer. Attends, 1, 2, 3... 4, 5... 6, 7... Ouais, il est à 16, donc non. Et est-ce que tu peux pas, alors, dans ce... Eh ouais, mais non, mais dans tous les cas, tu donnes 2 bêtes. Enfin, j'ai l'impression qu'on a aucune issue favorable. Ouais, je crois pas. Hein. En fait, il a des 3-3 pour 2. Les stats en limité, c'est ouf. Ok. Ouais. J'arrive pas à voir comment on peut revenir de cette game, mais j'ai l'impression que son deck est genre outrageusement plus puissant que le nôtre. Ouais, bah il a plein de cartes en multiples exemplaires, quoi. Il a deux laquais qui sont super forts. C'est il coup a sur ça, coup, on a deux mecs qui jouent Dimir avec la même stratégie et ça nous démolit, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de théorie du match-up où en fait ouais, Dimir ça éclate? Ça doit bien battre Azorius, ouais. Ok. Alors. Tu peux manger la 3-3, trade le pickpocket avec ton parangon et prendre deux, quoi. Ouais.
Pourquoi il attaque d'ailleurs? Quel est son intérêt ici? J'aurais dû activer d'ailleurs avant de bloquer. Bon, il nous bourre quoi. Il en a 4. Ok. Mais c'est genre, c'est normal d'en avoir 4? C'est facile? J'ai déjà eu 3, mais 4 c'est vraiment beaucoup. C'est que personne joue, il les a full pick. Ok. Et en fait là, il nous finit avec les anges. Ouais, avec les poissons, avec les poissons alors que là, t'as repris le board là. Et on est mort. Ouais, parce que ça c'est lifelink, mais c'est trop tard. Putain, on a l'impression qu'on s'est battu dans toutes les games, mais que bon bah on a fini par perdre. Bien joué, Code Load. On va voir ce qu'il fait. S'il attaque avec sa journaleuse, je gagne 2 PV. Mais non. Non, il est malin. Bien joué. Ah, quel dommage. Eh ben le 0-3, hein. Ouais, allez bon. Où Fanny? Partons pourtant. Let's partons. Go. On s'est battu sur toutes les games, j'ai eu l'impression d'avoir match et d'être capable de toutes les gagner. Et par contre, j'ai senti que nos deux oppos, les deux derniers, ils avaient un meilleur deck que nous. Ah bah le dernier, il a drafté qu'avec des mecs qui jouent Grul. Ils veulent que jouer Grul. Incroyable. Et du coup, quatre fois la commune avec bicolor, la sortie qu'on a, la séquence qu'il fait en mode quand on a la faveur du bouclier là pour mettre bouclier divin et qu'il a deux fois Boons, c'était exceptionnel quoi. Par contre, là, t'as un booster de dingue. Tu penses? Ah ouais. Ah, mais comment on sait lequel est? Bah, celui dingue, c'est celui-là. D'accord. Ah, c'est l'autre. Ah, voilà. Je me disais aussi. Je pense que c'est celui-là, moi. Mec, excellent. Titan d'industrie. Mon quatrième titan de l'industrie. Bang! J'en avais besoin de 4 pour jouer Temur Control en standard. Parfait. Excellent. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description, Twitter, Facebook, Discord, avec notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne, si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.